Dis-moi, en fait, je t'ai jamais demandé, mais c'est depuis quand, toi, en fait? Combien de temps de quoi Bah. Ah, ça commence à faire un petit moment, Ah, hein. ouais, carrément. Ouais, bah on peut dire que ça faisait un peu partie de moi, tu vois. Et tu l'as su comment? Je sais pas, c'est venu naturellement, en fait. Mais t'as pas eu d'élément déclencheur? Un déclic? Non, je te dis, c'est venu comme ça, c'est. Je sais pas, c'est du ressenti, tu vois. C'est un peu comme toi, c'est pareil, quoi. Ok. Et à part moi, il y a d'autres gens qui le savent? Bah disons que j'étais pas le genre à le cacher, tu vois, et puis bon, je suis un peu connu pour ça, hein. Sérieux? Ah, il commence à y avoir pas mal de monde, ouais. Mais je comprends pas, les gens ils étaient pas choqués, ils te posaient pas plein de questions, enfin. Bon, tu sais, au bout d'un moment, je pense que les gens ils s'en doutent un peu, hein, tu vois. Et puis bon, il y a des signes qui tombent pas, hein. Ouais, tu m'en diras tant. Mais du coup, concrètement, tu t'y prends comment? Pour. Je sais pas, t'es plus pénombre, dans l'aube ou alors carrément genre en plein jour. Je sais pas, tu vois, ça dépend de mon humeur, tu vois, de mes envies. Je fais un peu sous un coup de tête, tu vois. Ouais, donc toi, tu prévois rien du tout. Non, 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 tu vois, c'est souvent sous un coup de tête, tu vois. Attends, situation. Ouais. Tu te rends chez le gars. Ouais. Quand tu veux le surprendre, tu passes par où? Bah, tu sais, moi, c'est surtout par derrière, hein. Jamais autrement? Elle est mignonne. Non, bah non, parce qu'il n'y a pas 1500 solutions, hein. Je vais pas te faire un dessin non plus, hein. Bah, je sais pas, moi, je pensais qu'avec les années d'expérience, tu vois, t'avais accumulé de la technique, tout ça. Attends, rassure-moi, tu utilises des accessoires quand même. Des accessoires. Mais bien sûr que j'utilise des accessoires. Tu utilises quand même pas mal de questions, hein. T'as l'air de t'intéresser quand même pas mal à ce sujet, Bah hein. oui, un peu que je m'intéresse, oui. Bah, j'ai l'impression que je t'embête, mais dis-moi. Allez, pour le fun, dis-moi, c'est quoi ton meilleur coup? Celui dont t'es le plus fier, tu vois? Mon meilleur coup? Ouais. T'es sûr? Ah, je veux tout savoir dans les détails. Bon, ok. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, tu vois. Je me balade dans la rue et là je vois ce mec au loin sur son arrêt de bus, tu vois, seul. Bon, au départ, je fais pas attention, tu vois, je trace ma route, tu vois. Ouais, personne lambda. Ouais, carrément, ouais. Et le lendemain, tu vois, je le recroise, même arrêt de bus, même heure, tu vois, toujours seul. Et là, je sais pas pourquoi, mais je me dis, il faut que je suive, tu vois. Du coup, j'y vais, on parle un peu, tu vois, on discute. Tu vois, le mec, tu vois. Grand, beau, classe, franchement propre sur lui, tu vois. Il s'appelait comment? Je sais pas, c'était un nom moderne, tu vois, genre, je sais pas, Damien, Julien, Eric. Tu sais quoi, on va l'appeler Nicolas, au moins ce sera plus simple, hein? Ouais, bon, bah, Nico, hein, me propose du coup d'aller boire un verre. Bah, moi, du coup, je rentre dans son jeu, tu vois, je dis oui, tu vois. Ah là, je reconnais mon Benji, là. Du coup, bah, le soir même, on se retrouve au bar. Les verres passent, tu vois. Ah, vous avez picolé! Ouais. Du coup, après, on boit et après, il me propose d'aller boire un dernier verre chez lui, tu vois. Ah, ça, pour rentrer dans l'intimité, c'est pas mal. Et du coup, bah, je le suis, je dis oui, tu vois. Je me dis banco, en plus, j'avais tout sur moi, tu vois. Ah, mais ça, c'est pratique. Ok. Le mec, il met une petite lumière tamisée, tu vois, petite musique. Là, il me sert un dernier verre, tu vois. Et là, il se rapproche de moi. Il me baisse le pantalon. Et il se met à me. Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ben quoi, tu m'as dit de parler de mes histoires sentimentales, de mes histoires de couple. Mais alors là, mais t'y es pas, mais pas du tout. Non mais moi je m'en fous de ton homosexualité. Là, moi ce que je veux savoir en l'occurrence, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ah ça! Bah. Allez, à la une, à la deux, et à la trois!